Et bonjour tout le monde. Eh ben j'espère que ça va bien. Nous, on a bossé sur Thanos Lockjaw pour finir les missions de Scar. J'ai réussi, j'en suis arrivé à cette liste-là. Alors j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé la liste qu'il y a dans la tier list, j'aime pas du tout. Enfin, je vous le dis tout de suite, c'est une liste avec laquelle j'ai beaucoup de mal, Infino, She-Hulk, etc. C'est très très high-roll, et je pense que si c'est ça la meilleure liste, ça veut dire que le deck est mort. Moi, à mes yeux, s'il faut aller dans ce genre de truc pour que le deck soit bon, je pense qu'il faut abandonner le deck. J'ai continué un peu sur mon idée que j'avais moi avant, avec Okoye Blue Marvel pour faire plus de cartes à 10 pour Scar. Malheureusement, sans le Giga Blob, on peut plus vraiment faire des trucs avec Living Tribunal. Donc, j'ai laissé Aero, j'ai remis Vision. Pour l'instant, il y a Shang-Chi. Alors, Shang-Chi ou Leech, ça dépend des match-ups, mais il y a pas mal de discard et de destroy à l'heure actuelle. Et Shang-Chi marche pas trop mal contre eux pour enlever du Mobius, pour enlever du Venom, pour enlever ce genre de trucs. Donc, pourquoi pas. J'ai testé la liste Thanos Destroy avec Killmonger et Death, mais je l'ai pas trouvé assez stable parce qu'il n'y a pas assez de Thanos en fait en face. Donc voilà. Bon, on va commencer par l'ouverture des petits coffres pour aller chercher notre ticket gold. Et en fait, au final, depuis qu'on fait ça, oh, on peut faire un personnage de Koh-Lanta. Et ben, j'aime bien ouvrir mes petits coffres. J'ai retrouvé du plaisir à ouvrir un petit coffre. Allez, un giganto un peu stylé. Parce que. Ben maintenant, j'ai un intérêt à ces tickets gold pour tester les decks et autres. Alors, ça fait qu'en ladder, on joue un peu moins, mais c'est pas très grave. C'est pas aussi qu'on a beaucoup de tickets infinis, j'en ai déjà 5, je crois. Et ben, la dernière semaine, il va falloir jouer en conquête. Mais voilà, on verra bien. Une petite Magic Pixel, parce que pourquoi pas. Non, puis surtout, ben voilà, il est là. Non, puis surtout, ça permet de récupérer des petits variants sympas. Notamment, voilà, j'ai eu ça tout à l'heure. Hyper content, on va splitter des speedrams en masse. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vais par là, et hop, et on va aller tester ça en conquête, voir ce que ça vaut, je suis pas sûr, ah tiens, il s'appelle encore Destroy, ah, j'ai juste changé la liste, parce que c'était Thanos Destroy que je testais avant, et on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, à l'heure actuelle, contre du discard, contre du Destroy, contre des decks de synergie, le deck est autant, voire peut-être un peu moins de points qu'eux. Donc il faut aller chercher de la disruption. Par un moyen ou par un autre, il faut aller chercher un peu de disruption contre ces decks-là. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est Aero. Aider le potentiel de points avec Okoye et Blue Marvel pour essayer d'aller un peu sur toutes les lanes. Parce que là, le plan qu'on avait avant, qui était je choisis deux lanes, sur une lane, je mets plusieurs gros, donc je sais pas, je mets Scar, je mets Vision, je mets Magneto, etc. Ou je mets Lockjaw et ce qui sort, voilà. Et l'autre lane, je mets Blob. Ça marche plus. Parce que voilà, un Dracula avec du gros Apocalypse, ça peut battre Blob. Un gros Deadpool, ça peut battre Blob. Un gros Venom, ça peut battre Blob. Donc ce je mets Blob et j'ai gagné, il marche plus. Donc on peut plus juste dire aux gens, bon bah voilà, je vais te casser la tête. Donc il faut faire un peu plus de disruption. Voilà. Et moi la disruption que j'ai trouvée, vu qu'on sait pas trop contre quoi on joue, j'ai essayé Leech. Leech est pas mauvais, mais Leech il a le problème pareil. Que bah comme on fait plus assez de points, on n'est plus si souvent que ça devant, et donc si l'adversaire c'est setup, bah voilà, quand on monte des Deadpool à 16 ou à 32, enfin c'est sur des gros chiffres, bah Leech il est pas assez bien, contre discard c'est correct, mais pareil, s'il a déjà fait des swarms avant, il a de l'explosivité, c'est correct contre good card. Mais voilà, du coup je suis mitigé. Et on verra bien. On va voir ce que mon adversaire joue. Et voilà, on va tester tout ça. Quand je joue une carte, je l'ajoute à la main de mon adversaire. Pas fan de ça. Non, il a que 5 cartes, pas tout. Il va falloir piocher quelque chose de bien. Thanos, c'est pas quelque chose de bien. Ok, c'est du gros destroy. Va pour du gros destroy. Ça va être dur. Oh, ça c'est jouable. Il y a du Killmonger potentiellement. Il y a du Killmonger. Vous voulez que je vous dise. Nous, on va jouer nos cartes. On a Kyra dans le deck. Kyra va être très très bien pour se protéger de Killmonger, mais là, on l'a pas. Le Vision énorme va être vachement bien. Le Blob énorme peut être vachement bien aussi. Eh, ça y est. Ça y est, Deadpool est arrivé. Ça, c'est le problème.
Et ça, c'est les problèmes. Bon, il a pas snappé. Ce qui est très bien, parce que... on va nous prendre des points. Hein. Il va sûrement nous prendre des points. Bah là, le Deadpool, il va monter à 12, il va monter à 24. Non, il était à 4, là. Il va monter à... ouais, il a fait 2, il a mangé 4, donc il va monter à 8, il va monter à 16. Juste ça, 16, c'est déjà énorme. Ah, si on a Shang-Chi. Allez, on dit qu'on a Shang-Chi, et on peut éventuellement négocier. Éventuellement, hein. Shang-Chi, je veux bien négocier, sinon je négocie pas. Si j'ai pas Shang-Chi, je négocie pas, je perds mon cube. Oh, même Shang-Chi... son Deadpool indique qu'il était à combien? 16. Deadpool, c'est mon vision. Son Deadpool, c'est mon vision. Bah dans le deck, il y a Shang-Chi qui est très bien. Caillou Rouge aurait pu nous permettre d'enlever ça. Il y a pas mal de choses. Mais voilà, c'est bien parce qu'on va être contre un match-up qui montre bien ce qui a changé depuis le patch. C'est-à-dire que, bah avant, dans cette game-là, on pouvait rester. Potentiellement, on aurait pu rester dans cette game-là, sauf que c'est juste un énorme blob, on s'en foutait. On faisait vision à droite, à gauche, blob au milieu, et on disait, même si tu mets Deadpool au milieu, pff, voilà, j'ai 8 cartes dans le deck, je vais faire un blob à 40, il va se faire doubler, il va monter à 80, ça va très bien se passer. Mais bon, ça on peut plus le faire, donc il faut jouer un peu plus en finesse. Et puis on va bien voir. On va bien voir. Lockjaw Kyra, ça fait plaisir. Très plaisir. Oh là 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 là, ça fait trop plaisir. Qu'est-ce que... il l'a gagné, hein. Le bonus d'énergie, il est trop bien, hein. Le bonus d'énergie, il est trop bien. On peut faire ça. Comme ça, ouais, on peut snapper même, hein. On peut snapper, hein. On a Kyra, voilà. On se le garde, ce bonus d'énergie. Et ensuite, on peut envoyer du Lockjaw, hein. Et là, ça va être vraiment, vraiment bien, hein. C'est bon, on l'a eu assez, entre guillemets. On l'a eu assez. Je vais jouer là. Pour 5, pas de soucis, je jouerai Blue Marvel. Pas de problème. Un petit vision là qui sort. Le décal à gauche, le roi du pétrole. Le roi du pétrole. Il est resté. Allez, maintenant faut pas... pas que ça lâche. Pas que ça lâche. Un Scar, je prends. On a toujours ce bonus, c'est fantastique. Et en plus, on peut bouger Deadpool. Oh là là. Je sais pas si je veux le bouger là. Je me demande si je le bouge pas au milieu. Je perds aéro, ça c'est dommage. Oh, après, on peut juste faire ça. 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 Ah, la disruption elle est importante, mais Magneto c'est bien, Magneto c'est très bien. Psylocke, ok, on va avoir beaucoup de mana et on a même Shang-Chi, Enchantress. Oh là là, oh ça fait peur cette histoire, oh ça fait peur cette histoire. Un destroy avec Enchantress. Bon, le milieu, il est gagné. Le milieu, il est gagné. Mais alors, le reste. Le reste, le reste. Le reste, il est pas gagné. Hein. Le milieu, on ne bouge pas après. On vient juste faire ça et on avise plus. On va faire la simplicité. Hein. Bah s'il fait un truc de disruption, de destruction ou autre, son enchantresse, moi ça m'intéresse de la faire sauter. Hein. Ok, le Killmonger qui est passé, c'est pas grave. Ça nous va. C'est même pas si mal. On savait qu'il allait arriver. On a du mana, nous.
Oh, Blobito. Blobito, c'est vachement bien. Blobito, c'est très très bien. Il fait Shang-Chi ici. Mon Gani. Normalement, ça suffit. Milieu est gagné. Là, il va avoir vraiment du mal. Sachant qu'en plus, il y a égalité, donc il n'a pas eu le mana bonus. Ah, je vois pas comment il gagne. Je vois pas comment il gagne. Donc, le fait qu'il est enchantress, eh oh, pas sympa ça. Ok, on lui a mis deux cubes, ça va. On a bien fait de snapper. Bon, si on snap pas avec l'Objo Kaira, on snap jamais. Mais vous voyez, c'est des games qui sont infiniment plus serrés qu'avant. Là, maintenant, il faut, en fait, il faut trouver les bonnes opportunités pour arriver à snapper à tout ça, quoi. On n'est plus sur un deck qui domine. Ok. Ouais, mais faut le jouer. Hein. Le garder en main, ça sert à rien. Faut se dire qu'on va trouver Kaira, faut se dire qu'il va passer des choses. Okay. Oh, la main qui donne envie de pleurer. La main qui donne envie de pleurer. Caillou vert. Caillou vert, Lockjaw, quelque chose. S'il vous plaît. Ouais, mais on fait plus avec 4 qu'avec 3, hein, nous. On a eu caillou vert. On a eu caillou. Caillou vert. Ouais, ça m'autorise à jouer vision. Caillou vert, qu'est-ce qu'on veut qu'il nous donne? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Shang-Chi. Ouais, Shang-Chi, ça peut être pas mal. X23 Wolverine. Ok, Aero. Aero, déjà, je fais bouger Wolverine. Peut-être qu'il faut Cosmo dans ce deck, vous voyez. Peut-être qu'il faut comment. Peut-être que Thanos doit revenir à de la disruption. Et si Thanos doit revenir à de la disruption, bah, il faut jouer Ongoing avec Cosmo, avec Armor, Dazzler, qui a été boosté, etc. On pourrait faire ça. Peut-être on fera le deck à la fin de la vidéo. Et on verra ce qu'il faut. Alors, par contre, on peut Shang-Chi. Pas si mal. Donc si on arrive à mettre un 7, donc c'est-à-dire que Vision nous la gagne celle-ci. Vision nous la gagne celle-ci. En plus, il prend un deuxième Venom. Okay. Par contre, tout est retourné là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si je Shang-Chi, je suis assez tranquille ici. Pas Shang-Chi tout de suite, c'est un peu le souci. Ouais, s'il faut Shang-Chi tout de suite. Alors, faut se dire qu'il va Venom ailleurs. Mais... En fait, si je Shang-Chi ce Venom, il refait Venom là. Oh là 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 là. Non, faut lui donner un cul. On fait pas une bonne sortie, faut lui donner un cul. Mais ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et j'en suis à un point où je me dis, la bonne solution, c'est peut-être de jouer Thanos Ongoing. Et un deck qu'on va tester, évidemment. Avec Kaira, Cosmo, Armor, etc. Ok, là on a des choses à... Allez, ça se snap. Ça c'est du snapping. Ça peut aller sur Canal+. Hein. Le snapping est très correct. Ah oh, bah il y a tout ce qu'il faut là. Il y a tout ce qu'il faut là. On fait Psylocke autour d'eux, Lockjaw caillou vert et on est parti. Hein. C'est la fête à la saucisse. C'est la fête à la saucisse. Psylocke ici. Wolverine. Ok. Ça marche quand même, mais c'est moins bien. Est-ce que je veux le faire ici? Je pense, hein. Je pense. Parce que... Bah au milieu, sinon je vais pas pouvoir jouer. Hein. Bah voilà, on a caillou bleu. Caillou bleu. Ça sert à rien de jouer derrière. Je peux jouer là. J'aurai 6 au prochain tour. Lui, il retourne dans le deck et on va espérer piocher quelque chose de correct. Oh, bon, on aura eu tous les cailloux. Dans un sens, faut le voir comme ça. Mais... Shurilab. Oh. On a re-eu caillou vert. Ça, on a été récompensé. Ah, Shurilab, on a Shang-Chi. On peut vision dessus. On se plaint, mais en fait, on peut vision le Shurilab et c'est quand même très très bien. C'est quand même très très fort. C'est très très bien. Thanos. Ok, Thanos est jouable au prochain tour. Tac, tac. Et au prochain tour, on peut violer
Thanos. On a des choses. On peut Thanos gauche. Caillou violet droite. On a Vision aussi qui va être un 16. Correct. On pratique le gameplay. Et Killmonger. Ça nous va. C'est très bien qu'il soit sorti maintenant. C'est très très bien qu'il soit sorti maintenant le petit Killmonger. Magneto. Oh, le gros blob. Ça, c'est bien, ça. Ok, le milieu, il est gagné. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller gagner le reste. Hein. Tac. Oh, il a plus qu'il mon gars. Tac. Tac. Il sert à rien. Mais là, ici. Hein. Là, normalement, il peut rien y faire. Bon, en vrai, en gérant bien les snaps, ça, c'est bien. Aero qui fait pas grand-chose. Hein. Et surtout, en fait, on est sur le... Comment dire? On est sur le fait que les bonnes sorties d'avant marchent toujours. Mais on peut plus, on a plus le, les moyennes sorties passent plus quoi. Les moyennes sorties. Après, il a vraiment pas fait beaucoup de Deadpool aussi. On n'a pas affronté beaucoup de sorties Deadpool. On n'a pas affronté beaucoup de sorties Deadpool. Hein. Contre Snap? Waouh! Alors là, je suis intéressé. Parce que je comprends pas du tout pourquoi. Une raison. Pas du tout assez. Je vois ce qu'il a voulu faire, mais c'était pas assez du tout. Bah voilà, on a battu Destroy. On a battu Destroy. C'était convaincant. Il n'a pas fait beaucoup de Deadpool. Il n'a pas été non plus absolument fantastique. Aero n'a pas fait non plus des miracles. Hein. On va pas se mentir. Le shop, il n'y a rien. Il n'y a rien de sympa. Planète, le coup, on en est. Oh, 500 gold. On prend. Donc voilà. Honnêtement, hein, on va pouvoir. On fera plus tard. Je le ferai un peu dans mon coin aussi. Honnêtement, alors on va le laisser celui-là parce qu'il est correct, mais je pense que on doit tester quelque chose, on va plus tester quelque chose. Alors là maintenant, tac, est-ce que lui c'est sûr, ça c'est sûr, où est Dazzler, c'est sûr, Blue Marvel c'est sûr, Spectrum c'est sûr. Mettre Thanos, ce sera fait. Ça, c'est sûr. Ça va dans le deck. Ça va dans le deck. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre? Rogue? Rogue, c'est bien. Beaucoup de 3. Je pense que Rogue, c'est vraiment bien. Pas assez de 2. Avec la quantité de 3 qu'on a, est-ce qu'on veut boost? Bah en fait, c'est la question, c'est est-ce qu'on veut un truc... Oh, bête, pardon, excusez-moi. Hop, voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Est-ce qu'on veut Goose? Bah, en fait, c'est est-ce qu'on veut en mettre beaucoup? Iron Lad obligatoire. Iron Lad obligatoire. C'est où le petit Lad? On veut un T1. On veut un canard ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on veut un Khazar? Khazar, il faut plus de T1 si on met. En vrai, on pourrait jouer Ravonna. La Prof X, mais c'est tout. Ah, on peut faire Ravonna, Prof X, Mystique, Iron Man, Dark Oak.
Arco que ça rentrera pas. Il y a Rogue, il y a Super Skrull aussi. Je sais jamais si c'est suffisant. Zabou pour Super Skrull, Iron Lad, Khazar. Toujours des doutes. Il y a Profix qui est une très très bonne copie à Iron Lad. Du coup, ça fait un deck un peu comme ça. Ah, après, il y a toujours Jeff. Toujours correct. Là, on est vraiment sur une curve basse. On est sur une curve basse et de la disruption. Mais c'est ça qu'on veut. Du coup, si on est sur une curve basse et de la disruption, c'est peut-être Goose. En fait, le problème que j'ai avec Goose, c'est que Destroy, il s'en fiche complètement, vu qu'il a Def, il a Deadpool, il a tout ça. Discard, il y a quand même Morbius, il y a ce genre de choses. Je sais pas. Je sais pas. La dernière carte, je sais pas quoi mettre. Ça, je suis sûr que c'est une bonne base. Ça, je suis sûr que c'est une très bonne base. La question, c'est la dernière carte dans ce deck. Jean Grey ? Ouais, Jean Grey, ça peut être intéressant. En fait, c'est vraiment mettre des cartes... Là, du coup, T1, on joue un caillou. T2, on joue un truc, ou deux cailloux, ou un caillou Ant-Man. T3, on en joue un. T4, on joue Iron Lad, ou un T3 plus un T1. T5, Blue Marvel. Claw. No. Serra. Serra, ça ouvre quoi ? Spectrum et un T2. Blob, on rigole, hein, mais c'est un ongoing. Bah, il mange jusqu'à avoir 15. Donc, en soi... Peut-être ça, hein. Et y a pas beaucoup de choses qui ont des points dans le deck. Mais c'est pas très grave, ça nous permet d'avoir une grosse bombe au besoin. Et Orca. Ouais, mais Orca, on est là pour remplir. Unslow, on va pas doubler des milliards de choses. Là, on est vraiment dans la disruption, quoi. Toujours Iron Man, hein. On est là pour faire des points, ça peut juste être Iron Man, hein. Je sais pas ce qui vaut le plus entre Iron Man et Blob. Blob, on part du principe que c'est un 15. De la game... Ouais, même... Ouais, il suffit qu'il y ait quoi ? 4 cartes ? Non. 5 ? 5 cartes ? Ah, après, avec les cailloux et tout... Bon, après, s'il y a Thanos, Iron Lad ou Spectrum, c'est déjà la moitié. Iron Man, ce qui est fort, c'est que ça double Spectrum. Ronan, il n'y a pas le package. Il y a Dino, mais comme on joue une curve très basse, j'en doute. Claw est pas mauvais. Et sinon, il faut des choses qui remplissent. Mais je sais pas ce que c'est, les choses qui remplissent. Et après, il y a toujours Profix. Je sais pas. Bon, quoi qu'il arrive, ça, ce sera pour la vidéo de demain. Dans laquelle on continuera ce petit Conquest Gold que l'on a commencé. Et bien voilà, je vous fais des bisous. J'attends vos avis sur cette dernière, sur ce deck-là. Qu'est-ce qu'on met en dernière carte ? C'est quoi la dernière carte ? Je pense que c'est des points. Il faut que ce soit des points, mais je sais pas quoi. Donc voilà. Il me restait à vous faire des gros bisous. Vous souhaitez une bonne fin de lundi. On se voit demain. Demain, je visite une maison à 11h et je dois aller chercher mon père le matin pour qu'il vienne faire la visite avec moi. Donc je pense que vous n'aurez encore une fois pas la vidéo le matin. Vous l'aurez dans l'après-midi ou le soir quand j'aurai fini ma journée. Voilà. Et ben, sur ce, passez une excellente journée. Salut, salut, et à demain !